Bon, malgré Hi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est un direct Japap, seulement Japap. Un monde relax. Quand on vous dit que le pays en va mal, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Allez, au poids. Allez, l'île. Cyril Doumbé, fracassé. Francis Ngannou, tabassé. Les lions indomptables, tabassés. Maman, rien ne va. Rien ne va dans le pays. Rien ne va. Même Francis Ngannou. Wombo. Et Dima, vous avez dit que vous n'êtes pas humble, non? On n'est pas humble. Non, on n'est pas humble. On n'est pas humble à 41 ans. Nous sommes les 41 ans. Nous sommes les 41 ans. On n'est pas humble. Nous sommes les 41 ans. Bonjour, Longo. Hein? Le 41 ans, quand le 41 ans est quelque part, le plus meilleur, parmi les mathématiciens, le plus grand mathématicien camerounais. Parmi les trois, quelque chose qui sont là-dedans, c'est un Camerounais. Un pays pourri. Le continent. Nous sommes le continent. C'est les condiments. Dieu est en train de vous montrer que c'est lui qui donne. Et c'est lui qui reprend. Quand vous ne savez pas vous en servir. Oui. Je sais que beaucoup d'entre vous n'avez pas partagé, mais je m'en fous. Et dans mon coup, mon coup de cœur, et puis ferme mon téléphone et pas. Et si à moi, les grâces, ma fille. Et je viens nous dire qu'avant, avant, il y avait quoi? On dit que ma kéké, moi, ni à Saba. Comment ni à Saba? Saba, moi, ni a dit que quoi? Avant, il y avait quoi? Moi, ni à Saba. Je vais te dire avant ce qu'il y avait. C'est ça que vous venez souvent provoquer les gens. On est souvent dans nos coins. On dit qu'on vous regarde. On dit que vous nous provoquez. Moi, ni à Saba. Moi, ni à Saba. Tu dis que quoi? Qu'avant, il y avait quoi? Tu veux que je te commence à te citer avant ce qu'il y avait? Avant, il y avait beaucoup de choses, hein? Avant, on avait les belles routes. Nous, on a trouvé les belles routes là. Les belles routes là sont dégradées. Ouais. En tout cas, au Cameroun, si vous n'ouvrez pas les yeux, ce n'est que le début de la décadence. Vous continuez comme ça, le Cameroun sera un pays en voie de disparition. Ça, je vous le dis. Le Cameroun. Facebook a remis les commentaires. Bonjour. Bonjour Lola Laurel. Bonjour Jeannette et Soussaine. Donc avant, il y avait quoi? Partagez le live. Donnez mon coup de gueule ce matin. Et ça ne chauffe pas. Et je ne fasse pas le direct là, ça reste là. Donc avant, il y avait quoi? Avant, il y avait quoi? Avant, il y avait quoi, coucou? Il y avait le quoi, coucou? Avant, on mangeait le couacoucou à notre. C'est-à-dire que jusqu'à. On était rassasiés jusqu'à on refusait. Bonjour, l'on revenait jamais. Bonjour, Berlin, Berlin. Le Cameroun, c'est un pays en voie de disparition. Si on demande qui a fait le son, c'est moi. Oui. Bonne fête, mon fils. Le Cameroun, c'est un pays en voie de disparition.
Pour vous vanter avec Ganou, non. Donc voilà qu'on a tabassé. Vous allez me vanter avec qui maintenant? Ouais. Tonton Chabona, fais-nous un son là pour Ganou. Le gladiateur, celui qui tape les gens pour vivre. Maintenant, quelqu'un d'autre l'a tapé. Celui qui l'a tapé, là, l'a tapé pour faire quoi? Ouais, deux. Maintenant, Ganou qui tape les gens pour vivre, là. Ah non, le cancélan, zéro immunité. Ouais, mal à l'obaye. Le cancélan, non, le cancélan, vous le pouvez. Béatrice Doudou, sors, tu viens parler. Attends. Béatrice Doudou, viens parler. Vous savez, nous sommes le continent. Les gens disent que nous sommes quoi? Nous sommes le continent. Continent. Aucune joie, que des malheurs. Dieu vous a excusé. Hein? Mais comme il est en train de voir que vous ne comprenez pas, que 2025 après, vous voulez répéter les mêmes bêtises. Il est en train de vous enlever ça dans vos yeux. Un par un. Il enlève. On vous a d'abord humilié à la canne. Bien humilié. Allez, rentrez chez vous, que continent. Rentrez là-bas la poussière. Hein? Je vais venir goûter un peu le goudron dans les pays. Déjà, allez, rentrez la poussière là-bas. Continent. Mais là, vous comptez même les individuels. Les Camerounais, nous sommes les plus intelligents du monde. Dans la bêtise. Quand les Camerounais est quelque part, le plus grand parmi les NASA, il y a les Camerounais. Et le plus grand mathématicien au monde est les Camerounais. Le plus grand chirurgien au monde est les Camerounais. Le plus grand voleur au monde est les Camerounais. Le plus grand... Voilà ça. Céline Doumbé, tabassé. Francis Ganou, terrassé. Hey, le continent. Parce que la tête ne va pas. Et quand la tête ne va pas, ça peut tenir pendant quelques temps. Mais après, ça va aller décadence. Décadence dans les continents. Ensemble, les continents. L'autre vient demander aux gens que, avant, il y avait quoi? Eh, hey, Seigneur. Eh, hey. On a beaucoup souffrance. Quoi, avant, il y avait quoi, ma? Tu veux qu'on commence à se citer avant ce qu'il y avait, ma? Eh, hey. Avant, mamie, on faisait 12 doigts de banane à 25 avant. Bonne fête, merci. Merci, Tani Bosco. Avant, 12 doigts de banane coûtait 25. 12 doigts de banane avant, c'était à 25. Voilà ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait les bonnes fontaines partout. Bonnes fontaines, pas de bonnes fontaines. Bonnes fontaines. Il y en avait partout. Dans tous les coins du quartier, il y avait les bonnes fontaines. Voilà. Moi, à Saba. Avant, il y avait les bonnes fontaines dans tous les coins du quartier. Les gens n'avaient pas les problèmes d'eau. Même dans les fins fonds du village, il y avait les bonnes fontaines que tu devais avoir les muscles là pour que l'eau sorte là. Vous connaissez les bonnes fontaines là, non? Il fallait avoir les muscles que tu pompes comme ça. Poum, 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 poum. Il y avait ça dans mon village. L'eau sortait. Avant, il y avait quoi, maman? Si on te dit la liste de ce qu'il y avait avant. Hey! Oh, bon. Avant, il y avait. Avant. Tous les enfants allaient à l'école. Avant. Tous les enfants allaient à l'école. Avant. Bonjour, ma Sandra Chou. Avant. Moi, ni à Saba, Saba, moi. Moi, je préfère t'appeler avec le nom là. Eh, hey, merci, maman. Ma soeur Laure Kameni, pour le beau nom que tu as donné. Ça, c'est le meilleur nom. Moi, ni à Saba, Saba, moi, ni. C'est parce que ça veut dire. Mais c'est beau à moi. C'est bon dans ma bouche. Moi, ni à Saba, Saba, moi, ni. Avant. Même les enfants des pauvres avaient droit à la bourse. Beaucoup venaient à étudier en Europe.
et rentraient mettre en exergue ce qu'ils avaient appris. Avant, le Camerounais ne sortait pas pour venir Boza. On les comptait. Avant, moi, on y a Saba. Sandra, si tu viens ici avec tes commentaires, un genre, je te bloque. Faut pas venir m'énerver le matin que tu as vendu ta famille. Ma famille, c'est qui? J'ai la famille sur Facebook. Ma famille, c'est mon mari, mes enfants. Que tu as vendu ta famille comme tu veux vendre tes savons. Il faut me foutre le camp avec vos trucs là. Tu as vendu ta famille. Ma famille, c'est qui? Enlève-moi dans vos histoires de tribalisme à deux balles là. Je vous ai déjà dit ça. Quand tu as vendu ta famille, ma famille, c'est qui? Ma famille, ils savent, ils connaissent mes problèmes. Quelle famille? Je suis camerounaise. Je suis camerounaise. D'accord? Enlevez-moi dedans. Je ne suis pas dedans. Vos histoires de famille, de frères du village, là. Quand les gens ont les problèmes, ma famille, c'est qui? Faut pas m'énerver, hein? Sandra, tes commentaires, là, voilà. Voilà pourquoi quand Facebook enlève même les commentaires, c'est mieux. Parce que Sandra va m'énerver ici, là, elle veut dire des choses. Sandra, ne viens pas m'énerver avec tes commentaires, là. C'est là parce que tu sais qu'elle ne peut pas te bloquer. Voilà. Quand tu as vendu ta famille, ma famille, c'est qui? Elle t'a vendu, toi. Maman, si elle pouvait même te vendre, ça gagne l'argent sur toi. C'est qu'elle te vend, toi, parce que toi-même, là, tu es comme le totem. Tu es comme le mauvais esprit, tu es partout. Vraiment, si elle pouvait voir, si j'avais le pouvoir de te vendre ce qu'elle te vend, tu penses que je suis là pour m'amuser? Si j'avais le pouvoir de te vendre, te vend. Sauf que tu es mon général, mais elle n'a pas le pouvoir sur toi. Tu penses que tu vas m'énerver? Tu as vendu ta famille. Franchement, si j'avais le pouvoir de te vendre quelqu'un, tu seras la première personne qui va vendre Sandra. Parce que franchement, tu es comme le mauvais esprit. Tu as vendu ta famille. Tu n'as pas honte. Tu es mazo là. Tu penses que moi je suis mazo. Je vais vendre mes savons. Pian. Elle a commencé la sorcellerie. Oui, je vous ai vendu pour vendre mes savons. Oh, ça ne chauffe pas. J'accepte. Je ne vous vends pas que vous me servez à quoi? Vous me servez à quoi? Une famille. Famille, mon œil. Vous me servez à quoi? Vous me servez à quoi? Mais je vends mes savons. Mes savons vont me donner l'argent pour résoudre mes problèmes. Tu dis que les quoi sont hypocrites. Que j'ai dit que les quoi sont hypocrites. C'est toi qui vois ça là-bas. Tu dis que les quoi. J'ai dit que les quoi sont méchants. Voilà. Vous êtes méchants. Vous venez seulement attiser la haine. Vous êtes des haineux. J'ai dit, oh, allez vous pendre l'un quoi. Vous êtes des haineux. J'ai dit. Tu t'es senti dedans, c'est que c'est ton problème. Moi, je suis quoi? Mais je ne suis pas moi une haineuse. Allez-moi dans votre haine. Voilà. C'est quand vous voyez que quelqu'un a l'esprit de haine, c'est là où vous venez derrière la personne. Vous venez faire bloc. Comme si vous aimez trop la personne. J'ai dit et je répète. Oui. Vous êtes les haineux et c'est votre haine là qui fait en sorte que le Cameroun est derrière comme les fesses. J'ai dit, enlevez la haine. Oui. Enlevez la haine dans vos ventres. Vous allez voir qu'on va avancer. Voilà. Et tant que vous êtes comme ça là, Dieu ne va marcher au Cameroun. Même Dieu va vous punir. Vous voulez vous octroyer les victoires dans les haines. J'ai dit, oh, ha, ne me donnez plus à manger. Bloquez-moi dans tous vos réunions d'un quoi, si j'étais même d'abord dedans. Et ta belle famille est quoi? Ton histoire de belle famille, là, c'est toi qui vois ça là-bas. Et ta belle famille est quoi? Et ta belle famille, ta part de belle famille est quoi? Pourquoi tu viens tout le temps parler de ma belle famille? Parler de ta part de belle famille. Toi-même, ta part de belle famille est quoi? Pourquoi tu viens tout le temps? Ta belle famille est quoi? Ta belle famille est quoi? Toi-même, t'as pas de belle famille, quoi. Toi, Sandra. T'as pas de belle famille, quoi. Tu ne vois pas que j'ai raison que vous êtes des haineux. Tu déposes tes propres frères camerounais pour aller embrasser les autres. Tu ne vois pas ça? Ne viens pas changer le cours de mon direct.
Sandra Mimbang, viens pas. Comme tu es comme le mauvais esprit là, tu te faufiles partout là. Ne viens pas changer le poulet, mon direct, Sandra Mimbang. Voilà. Mon direct, c'est le Japap du Cameroun. Ne viens pas changer le poulet de mon direct. Tu as compris, non? Elle dit que je ne suis pas dans votre haine, enlevez-moi dedans. Allez faire bloc, bloc, derrière votre soeur. Vous avez trop pitié d'elle. Les Bamlékés l'ont encerclé, c'est vos mots. Allez faire bloc derrière elle. Mais l'essentiel, c'est qu'elle vous a dit que mettez-la en haut, enlevez-la dans. Mettez-la en haut une fois pour de bon et qu'elle reste en haut. C'est tout ce qu'elle vous a dit. Déposez-moi. Voilà. Parce que je sens que vos trucs que vous êtes dedans là, vous tournez, vous cherchez derrière le bouc émissaire sur qui vous venez vous déposer. C'est pas moi. Hein. Vous êtes vaincu au nom de Jésus. Allez soulever votre. Vous allez dire que c'est elle qui vous représente. Moi, elle ne me représente en rien. D'accord? Elle ne me représente en rien. Je me représente moi-même. Moi, je suis représentable. C'est ton problème là-bas. Ma part de mariage ne finit pas. Le mariage est fini. Ta part ne finit pas. Quand le mariage est fini, je ne te lis même plus. Le mariage est fini. Mais le mariage est fini. La famille est finie. Quand le mariage là va finir, quand il va revenir, chassez-moi, pardon. Oh, le mariage est fini. Tu souhaites seulement que mon mariage est fini. Sorcellerie. Bonjour, Hortense. Vous êtes là, vous gardez, vous entretenez vos pas au chaud. Pensez être boulot. Alain Mboutou pensait être boulou. Donne-lui le droit. Lui donne le droit. Pense qu'être boulou lui donne le droit d'avoir les gens. L'argent des Camerounais ont travaillé. Merci Guilain Chapé pour l'envoi chassé de notre pays. Ouais. La prochaine fois, tu seras. Hi. La prochaine fois tu seras maudit 100 fois. Hi. Qui sera maudit? Hortense, c'est qui que tu maudis le matin comme ça? J'espère que c'est pas moi. Hein? Ah, Sandra. Sandra, qu'on maudit là-bas à cause du tribalisme. Elle est là. Elle me fait pitié. Vraiment. Elle me fait pitié. Vraiment. C'est notre sœur, non? Elle est ta sœur. Est-ce que j'ai dit que c'était pas ma sœur? Mais je suis obligée de marcher dans le fou. La femme de mes sangs qu'elle a mis au marché n'est pas aussi ta sœur. La femme de mes sangs qu'elle a mis au marché est allée sa vie comme ça. Là, pac, 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 pac. Ce n'est pas votre soeur aussi. Donc, vous, dans votre, à cause de votre règne et tribalisme, là, au top niveau, vous sacrifiez certains. Et certains, il faut les gracier parce que. Pardon, allez loin avec ça. Ils m'ont direct avec ça le matin, Chouane. Allez là-bas, allez soulever. Oui, elle vous représente, mais moi, elle me représente en rien. Je me représente moi-même sur la toit. Quand on va te maudire encore, ne viens pas sur mon téléphone pleurer. Te dis d'abord ça. Va chercher tes parents. Tu as plein de parents là-bas. Tu peux aller chercher là-bas, tu peux pleurer. Quand on va te maudire une énième fois, il ne faut pas venir sur mon téléphone pleurer. Tu as dit que je suis mazo. Je ne suis pas mazo, hein. Quelqu'un d'autre ne peut pas m'aimer plus que moi-même. Je m'aime jusqu'à. Quelqu'un ne peut pas m'aimer plus que moi-même. Donc quitte mon direct. Allez là-bas. Avec vos histoires de la sorcellerie. C'est à cause de vous, là, avec votre mauvais cœur, que le Cameroun est derrière comme les fesses. Parce que vous êtes assis sur la, vous êtes assis sur l'évolution et l'avancement du Cameroun. À cause du tribalisme. Allez loin, ça. Donc, call ma miss. Ah, Sandra, call ma miss.
Call my miss. Le jour que tu ne dis pas c'est qui? Sandra, call my miss, va là-bas. Et le jour, c'est la même chose, non, vous n'êtes pas pareil. Le jour où je ne, comme je ne suis pas aussi en train de dire ce qui vous arrange, n'est-ce pas, vous êtes... Aujourd'hui, j'ai vendu ma famille pour vendre les savons. Puisque je ne suis pas en train de dire ce qui vous arrange, n'est-ce pas, tu trouves que je suis en train de vendre ma famille pour vendre les savons. Donc, vous êtes pareil, c'est les patates du même sion. Où est la différence entre vous, les soi-disant familles des Nkwa? Nkwa, quand ça vous arrange, on connaît tout ça. Quand ça vous arrange, dès qu'on va arranger les choses là-bas, vous allez encore vous réinstaller, vous respirer, ça va devenir que les écans. Ça ne sera plus que Nkwa. Pardon, je ne suis pas Nkwa, je suis Camerounaise. Et on va dans ça. Allez faire vos guerres de Nkwa et de Bamleke là-bas. Je ne suis ni Nkwa ni Bamleke, je suis Camerounaise. Vous ne voulez pas comprendre, ça c'est votre problème. On t'a dit que moi, j'ai refusé le truc dans mon village, dans mon propre village. J'ai refusé le truc de notabilité pour venir diviser les Camerounais ici. Il t'a dit que moi, je suis l'enfant d'un chef. Mon père était chef de premier degré. Donc, ça me revient de droit d'office. J'ai refusé ça. Voilà. Parce que moi, je suis pas là pour dominer sur les gens. Je n'aime pas dominer sur les gens. J'aime prendre les gens comme moi-même. Voilà. C'est maintenant quand quelqu'un me manque, tu me manques de respect jusqu'à un niveau où c'est là où je sors de mon gant. Voilà. Donc, il faut pas aller soutenir votre soeur là-bas. Laissez-moi tranquille. Je suis obligé d'être avec vous. Collez-moi la paix. Allez la soutenir. Toi, tu es mazo. Moi, elle t'a dit que je suis pas mazo. Voilà. Je ne la déteste pas. Je n'ai rien contre elle. Mais ce qui la regarde m'intéresse pas. Je n'ai pas d'attitude qui concerne moi. C'est ça que tu appelles vendre. Tu as vendu. Tu as vendu. Je suis obligé de m'allier avec vous. Je ne m'allie pas bien. Allez là-bas avec. Quand ça vous arrange. Sandra, tu es venue changer le cours de mon direct. Pourquoi? C'est parce que je suis en train de te lire. J'ai dit que fiche-moi la paix avec ça. Je suis libre de préférer qui je veux. D'accord? Si vous avez réussi à enlever votre soeur dans le ventre de sa copine, c'est bien. Maintenant, mettez-la en haut. Parce que vous disiez qu'elle est dans le ventre de sa copine, non? Donc, si vous êtes battu jusqu'à vous l'avez sorti dans le ventre de sa copine, mais c'est bien. C'est une bonne chose. Je vous applaudis. Mettez donc là en haut maintenant. C'est tout. Ne viens pas me contaminer ta frustration le matin, pardon. Et te laisse juste là parce que tes commentaires profitent à mon direct. Parce qu'un direct avec les commentaires, c'est bien. C'est pour ça que je te laisse là. Sinon, quelqu'un t'a enlevé depuis. Voilà. Donc, laisse-moi tranquille. Donc, revenons sur moi, Ni Asaba. Je disais que peuple camerounais, partagez le live. Peuple camerounais, même, je pense que chaque chose a un début et une fin. Même Dieu a tiré les foulards de l'être fait à cette histoire. Parce que franchement, vous voyez ce qui arrive au Cameroun. On va de défaite en défaite. De défaite en défaite. Défaite en défaite. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. 2025 arrive. Camerounais. Camerounaise. Battez-vous. Battez-vous pour une alternance. Je dis bien pour une alternance.
un changement profond dans ce pays. Sinon, le Cameroun, c'est un pays en voie de disparition. Même ceux pour qui vous pouvez un peu gonfler, vous allez encore gonfler avec qui? Voilà un gars qu'on a terrassé. Le Cameroun, le Nigeria vous bat aller et retour, ma. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pas moi chaude sur le combat de Ngannou aussi là. Ça fait en sorte que tellement tout ce qui se passe au Cameroun maintenant m'énerve parce que franchement, je ne me suis même pas intéressée. Pourtant, j'adore Ngannou. Pourtant, j'aime Ngannou. J'ai vu une vidéo qu'une femme a postée. Oh, le charisme a fait que... Oh, tout, oui, c'est un bel homme charismatique et tout. Mais je ne me sentais pas sur son combat. Vous savez pourquoi je ne me sentais pas? Parce que ces derniers temps... Bonjour, ma Carla Tati Johnson. Parce que ces derniers temps, Ngannou n'était plus le même Ngannou. Ce n'est plus un Ngannou humble. Il a pris les mauvaises habitudes des Camerounais. Bon, pas trop. Mais il s'est un peu défoulé. Il a laissé mélanger là-bas en Côte d'Ivoire. Hein? Il est parti en Côte d'Ivoire. Il a commencé à faire. Hey. J'ai dit que l'affaire, c'est là. L'enfant, c'est. Bon, en même temps, je comprends aussi que c'est un jeune. En même temps, je comprenais aussi que bon, c'est un jeune. Il a fait de l'argent. Bon. Il a souffert, il a fait de l'argent. C'est normal que bon, il commence aussi un peu à vivre sa vie. Sinon, quand il va vivre quand? Mais je ne sentais pas quand même le combat là. Comprenons. Le combat là, il n'est pas senti. C'est pour ça que vous avez vu que je ne vous ai même pas montré le combat. En temps normal, elle vous montre le combat. Il n'est pas senti. Parce que moi, si je regardais ça, il perdait, ça allait trop m'énerver. Mais elle n'est pas senti. Et vous savez que moi, je vous ai dit que je suis jumelle. Vous savez que moi, je sois. Et je vois le pressentiment des choses. L'autre qu'on appelle alors, c'est Dune Doumbé. Tellement il est mal élevé et arrogant que moi, je ne le regarde même pas. Quand il gagne là-bas, quand on dit que c'est Dune Doumbé a gagné, il dit que, ah, ok, bravo, félicitations, bravo. Parce que l'humilité précède la gloire. Je vous ai déjà dit ici que laisse les hommes te rabaisser et Dieu t'élever. La meilleure élévation, c'est celle de Dieu. Pas celle des hommes, des bouches des hommes comme les Bassandra qui vont venir te donner 100 euros, 50 euros pour te conditionner ta vie. Oui, ça, c'est pas l'élévation. L'élévation de ceux qui vont venir te soulever parce que on veut montrer à quelqu'un que la toile ne t'appartient pas. Tu vas aller prendre tes derniers 50 euros entre beaucoup entre eux là. Ils ont même laissé certains de leurs factures impayées pour venir faire le bras de fer. Ça, ce n'est pas l'élévation. Jamais. Ça, ce n'est pas l'élévation. Oui, c'est parce que tu ne connais pas le spirit. Ça, voir, maman. Le spirit joue en tout. Bonjour ma Claudia Ski, chérie. Bonjour ma fille, mon bébé You. Et pas l'élévation des haineux. Que quand tu es dans les problèmes, tout le monde t'abandonne. Oh, elle est partie. Maintenant, dès qu'il y a la guerre, tu les vois revenir comme les cendres. Avec sa tête de. Elle revient. Elle va aller même vider son compte. Ton plaisir. Là-dedans, c'est quoi? La haine. Dieu. Quand je rentre mon voyage. D'accord, mon bébé. Il n'y a pas de souci, ma fille chérie. Il n'y a pas de souci. Hein? Comme les cendres comme ça, là. Tu me dis que ça a quoi avoir avec le changement au Cameroun. Ça va. Ça va. Les gens vous vantez avec Ngannou. Les gens, quand ils gagnaient, vous étiez contents. Il a perdu. Oh, c'est Dieu qui a voulu qu'il perde. C'est-à-dire que Dieu
Tu sais pas que Dieu utilise les gens. C'est pour que vous fermez un peu vos bouches là. Hein? Vous vous concentrez sur les vraies choses. Il y a beaucoup de manquements dans votre pays. Vous êtes là à vous vanter avec le succès personnel des gens. Oui. Le Canada, c'est un continent. Quand il gagne son argent, là, il donne pour vous dedans. Bon, c'est vrai. Mais jusque-là, malgré qu'il a perdu, vous pensez que, malgré le fait qu'il a perdu, tu penses qu'il n'a pas gagné l'argent. On donne le cachet au perdant, on donne le cachet au gagnant. Hein. Lui, il a empoché son argent. Hein? Dis donc, fiche-moi la paix sans travers la vie des gens ici, là. Laisse-moi tranquille. Mais tu n'aimes trop pas vivre avec elle, dis donc. Laisse ma vie. Sandra, laisse ma vie. Les gens qui ont conditionné, conditionné à faire quoi? Conditionné à faire quoi? Hein? Tu vas me pousser maintenant. Là où tu veux me pousser. Sandra, laisse-moi, hein. Laisse-moi. Donc voilà, tu viens me chercher, là. Quand elle veut doser, là. Je vais doser, ça va sortir, hein. Faut me laisser en paix. Les gens qui l'ont conditionné à faire quoi? On conditionne. Moi, quelqu'un peut me conditionner. Moi, là où je suis là, quelqu'un peut me conditionner. Parce que je ne mange pas chez quelqu'un. Parce que je n'attends pas de quelqu'un. Si j'ai envie d'aller manger au restaurant, est-ce que j'attends que quelqu'un m'envoie au restaurant? Non, je vais aller m'asseoir, je mange, je paye avec ma carte bleue. Quelqu'un va sortir pour me conditionner. On parle même pas de conditionner. On conditionne les affamés. On conditionne les gens qui ont faim. Donc, fiche-moi le camp avec ça. Voilà. Et puis, ne viens plus écrire les noms des gens ici. Dépose-moi, pardon. Ne viens plus écrire les noms des gens ici. C'est comme ça que vous faites dans les directs des gens. Tu es redevenu, tu as repris, retourné dans ta team. Bravo à toi. Mais quand on va encore te maudire, ne viens pas pleurer dans mon téléphone, c'est tout ce que je te dis. Voilà. On conditionne ceux qui ont faim. Moi, quelqu'un ne peut pas me conditionner. Voilà. Et ton petit truc que tu es en train de dire là, que wow, tu as bandi ta famille parce que tu... Et ne parle plus de mon commerce. Parce que ça, c'est mon gagne-pain. Franchement, Sandra, je suis pas d'accord avec toi. Parce que mon commerce que tu vois là, il n'est pas limité qu'au Camerounais. Je suis désolée. J'ai étendu. J'ai fait mon étude du marché. Voilà. Tu sais, mon commerce n'est pas limité qu'au Camerounais. Je suis désolée. Donc, ne ramène plus jamais mon commerce au Camerounais. On ne joue pas avec le travail de quelqu'un. Mais savons que tu vois là. J'ai le marché ici derrière moi. Là. Je prends une place. Là. Un stand là au marché. Je vends mes savons. Donc ne ramène plus mon commerce. Ce n'est pas la gnognotte. Ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas le Dikundulam pour ça soit là lobby. Tu as compris, non? Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Il ne faut pas jouer avec mon commerce. Ce n'est pas le back-back. Voilà. Et on conditionne celui qui veut qu'on le conditionne. Comme toi-même, tu es conditionné par la haine. Parce que toi, Sandra, je te le dis, c'est la haine envers les gens qui ne te doivent rien, qui t'anime. Merci beaucoup, ma fille. Tu as compris, non? Moi, je ne suis pas le genre qui se lève comme ça, il se lance dans les choses. Quand il lance, je me lève quand il me lance dans quelque chose. Je sais là où je pars. Parce que je suis en train de faire ce qu'on appelle une reconversion. Je suis en train de faire ce qu'on appelle reconversion. Et je vais le faire crescendo. Donc, il ne faut plus jamais mêler mon travail à vos pète-pète des Camerounais. Sandra, si je suis ta personne, ça, je te le dis, enlève ça dedans. Voilà. On conditionne celui qui veut qu'on le conditionne. Toi-même, tu es conditionné par la haine qui t'anime.
Maman, rose que tu as mis dans ton Sandra là, il faut enlever ça. Mais Sandra diamant bleu, tu as compris non? Enlève rose là. Rose m'appartient. Oui, je suis propriétaire de rose. Va retourner là-bas dans votre team. Enlève, mets Sandra diamant bleu. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Parce que partout où tu passes, quand on voit Sandra Rose, on t'identifie à moi. Et moi, les valeurs que tu prônes là, ce n'est pas les mêmes valeurs que je prône. Moi, je ne prône pas la haine. Donc, j'étais donc de disant que les Camerounais, si vous ne faites rien, le Cameroun sera un pays en voie de disparition. Voilà un ministre. Je pense qu'elle est ministre de l'habitat ou bien de quoi, quelque chose comme ça là. Moi, Ania Asaba. Elle se lève et vient vous demander qu'avant il y avait quoi. Ah, ben c'est normal qu'on vous demande qu'avant il y avait quoi. Parce que vous êtes un peuple amorphe. Avant, il y avait beaucoup de choses qui a plu. Avant, il y avait la joie entre les Camerounais. Les Camerounais vivaient en harmonie. Avant, les Camerounais mangeaient en abondance. Avant, 12 doigts de banane, c'était 25 francs. Aujourd'hui, 5 doigts de banane. Je dis bien 5 doigts de banane à 200. 5 doigts de banane. Oui. Le maquereau est devenu un poisson de luxe. Alors qu'au Cameroun, avant, on disait que c'est les Camerounais, les pauvres qui mangeaient le maquereau. Oui, 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 oui. Avant, il y avait quoi? Hey. Avant, il y avait beaucoup de choses. Hein. Avant, il y avait beaucoup de choses. Oh. Moi, Annie, à Saba, Saba, moi. Avant, on trouvait les bonnes fontaines. Je dis bien bonnes fontaines dans tous les coins de la rue. De quartier. Il n'y avait pas un quartier qui n'avait pas de bonnes fontaines. L'eau coulait à flot. L'eau coulait à flot. Avant. Oui. Avant, la bourse était la bourse était pour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a même pas l'ombre de la bourse. On donne ça. On donne ça à quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, qui connaît, quelqu'un qui connaît, connaît, connaît. Je connais, connaît, qui connaît, connaît. Oui. Tout ça là est fini. Tu viens demander aux gens qu'avant il y avait quoi. Parce que toi, tu manges bien chez toi, tu dors bien chez toi. Quand on coupe la lumière, ton groupe prend le relais. Mais c'était avant. La vie a changé. Mais c'est ce qu'elle a demandé. Elle a demandé qu'avant, il y avait quoi? On lui dit donc ce qu'il y avait avant. Que la vie a changé. C'est elle qui a demandé qu'avant, il y avait quoi? On lui dit alors ce qu'il y avait avant. On lui dit tout simplement ce qu'il y avait avant. C'est elle qui a demandé qu'avant, il y avait quoi? Elle dort chez elle. Moi, Annie à Saba. En tout cas, ma mère, l'autre Aménita dit. Qu'avant, il n'y avait pas les jeunes bandés qui tombaient comme des mouches, qu'on transportait tous les week-ends. Maintenant, il y a les deuils au village. Ce n'est plus les vieux qu'on peut enterrer, mais c'est les jeunes. Oui. Avant, il n'y avait pas ça. Moi, il y a Saba, Saba, moi. Avant, on ne pouvait pas nous mettre un tapis rouge sur la terre rouge. Sur la terre rouge, un tapis rouge sur la terre rouge. Avant. Moi, Nia Saba, ne me fais pas parler. Ce n'est pas toujours parce qu'on dit qu'on veut voir nos enfants grandir. Que moi, Nia Saba, tu vas venir mettre le doigt sur notre œil. Tourner jusqu'à enlever l'orbite. Moi, ni à Saba, Saba, moi, ni. Moi, ni à Saba.
Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on veut voir nos enfants grandir. Tu veux me comprendre que tu es mon mari? Hein? Que la rose, je ne te comprends plus. Comprends-toi toi-même. Toi-même, tu t'es déjà compris toi-même. Tu as vu comment tu tournes, tu tourbillons, tu tournes autour de toi. Que je ne te comprends plus toi-même. Tu veux comprendre quoi sur moi? Hein? Tu veux comprendre quoi sur moi? Va comprendre ta nouvelle présidente qui va te maudire encore bientôt. Apparemment, bientôt, elle fait déjà la politique, j'aurai appris. C'est bien, félicitations. Il paraît qu'elle mise un poste de ministre des, ministre des Affaires sociales. Anne-Tizambé. Merde. Comme ministre des Affaires sociales. Maman de sac de Rima. Venez doucement, hein. Après, vous avez dit que la rose, moi, je vous ai dit que je suis sur méta et je vais tout titiller. Quand j'ai envie de titiller, personne ne va m'empêcher de titiller qui veut, quand il veut. Quand la rose, elle ne te comprend plus. Mais va comprendre ta nouvelle patronne. Ton ancien patron est devenu ta nouvelle patronne. Oui. Maman, ministre des Affaires sociales, des sacs de riz. Le social qui va... Maman, c'est que tout le monde va attraper le beriberi au Cameroun. Ah. Oh, coucou, Mémé Kouacha. Moi, les vraies femmes de Paris, maman. J'ai confirmé, maman. Mémé, bravo, tu es... Ça dit que quand on dit femme, moi, les vraies femmes de Paris. Je suis allé directement dans mon magasin. Déposer dans son magasin. Maman, si on vous dit là où... maman, Facebook, si, hein. Facebook, si, hein. Facebook. Là où la femme, si, là. Mémé Kouacha, que vous voyez, là, son magasin, là. C'est en plein Paris. Dans le 15e arrondissement. Le magasin, là-bas... Rien que la location du magasin, là-bas, c'est la mort. Mais Facebook nous mélange. Non. En tout cas, félicitations, ma soeur. Bravo à toi. Oui. Voilà le genre de femme à qui on dit qu'on peut. Ça dit que tu peux dire que oui, j'admire. Oui. J'aimerais ressembler. J'aimerais. Chercher ressembler à qui? À ceux qui se cherchent comme moi là. N'importe quoi. Voilà le genre de femme à qui il peut dire que oui. Que demain, après demain, quand il veut ouvrir ma part, il peut aller vers mémé. Je dis que oh mémé, pardon, toi qui tu connais déjà dans le domaine, voilà mon projet. Qu'est-ce que tu peux m'aider en quoi? C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que nous sommes dans les réseaux sociaux. Vous voulez tout traîner les gens dans les histoires à dormir debout. Dans les histoires de Mi Tien Chule. Bonjour chérie. C'est le 14e. C'est le 14e. Dans le 14e arrondissement. Wambo, maman. Non, moi, on vient confirmer le coin. Il dit que, voilà, là, c'est ça. On dit qu'une Camerounaise a réussi sa vie. C'est ça. Rien que le loyer, payer le loyer seulement là-bas, de ton magasin là-bas, dans le 14e arrondissement, mon frère, à côté de la gare de Montparnasse. Non, mémé, te donne les mains. Bravo. Et te dis que, bien ça va, alors merci, longo, mémé. Oui, c'est dans le 14e, c'est moi qui ai convaincu, c'est dans le 14e arrondissement, c'est à côté de Montparnasse. C'est même pas caché, c'est facile. Tu le trouves facilement.
Non, il faut respecter les gens ici dehors, hein. Tu es venu dans les réseaux sociaux, vous allez parler aux gens n'importe comment parce que on est sur Facebook. Mémé, je donne ton check-up. Tu es représentatif. Oui, je donne ton... Ça dit que je donne ton café. Ah oui, c'est ça qu'on dit que... On dit que... Voilà alors. Les gens vont venir. Va d'abord faire ta part, Sandra. Dis donc, laissez les gens. Pour toi, réussir, réussir, c'est... Pour toi, réussir, c'est un magasin. Ouvrez même une caisse de cigarettes à votre nouvelle patronne. Va là-bas. Pour toi, réussir. Oui, pour moi, c'est une réussite. Bonjour, je suis... Pas encore, je suis en train de travailler là-dessus, Dressien. Je suis en train de travailler là-dessus. Bonjour, femme aide les femmes. Elle me dit que... Ne m'appelle plus pour les conneries, hein, Sandra. Notre sœur, c'est un homme là. Tu es malade. Tu m'as bien regardé. Soutiens qui? Sandra, je suis mazo, moi. Je ne suis pas mazo, hein. Je ne suis pas... Je suis très loin d'être mazo, hein. Elle a encerclé par qui? Elle a encerclé, moi mon problème est où là-dedans? Elle a encerclé que c'est des cercles. Quelqu'un qui peut taper la main sur la poitrine, même si elle moi se tire les chignons, que je suis fière d'elle. C'est toi Tribienne, oui. Elle me représente. Là, elle peut dire que oui, l'étoile Tribienne, elle me représente. Là, elle, je me reconnais en elle, en tant qu'une sœur Sawa. Je me reconnais en étoile qui vient. Voilà. Elle me représente. Elle, si elle a son palabre, je peux venir. Je tape ma poitrine que oui, non, pardon. Je pousse les gens comme ça. Que, pardon, laissez d'abord ma sœur tranquille. Je laissez ma sœur. Oui, parce qu'elle me représente. Je me demande de venir. Elle a encerclé. Moi, je cherche les gens qui m'inspirent, qui me donnent la force d'avancer. Qui me donnent la force d'avancer et de réaliser mes rêves. Tu veux encore me ramener dans quoi? Faut laisser celle-là là-bas. Donc, franchement, moi, on y a Saba. Faut nous laisser, hein. Mais ce que vous oubliez, c'est que chaque chose a un temps. Vous allez faire ce que vous faites au Cameroun, vous faites vivre au Camerounais, là. Mais un jour, Dieu va dire stop. Dieu va dire stop. Les Aïrois ont vécu pire avec Mobutu. Mais le jour où Dieu a dit que stop, les enfants de Mobutu sont où aujourd'hui? Hein? Référez-vous souvent à l'histoire. Hein? Faut laisser celle de Sandra là-bas. Elle part chercher ses combats là-bas. Elle vient me chercher pour me mettre dedans. On t'a dit que je n'ai rien à faire. Va régler tes problèmes là-bas. Quand on va te maudire, elle t'a seulement dit que quand on va te maudire une autre fois, ne viens pas pleurer sur mon téléphone. Et je vais te chasser. Oui, parce qu'on va encore te maudire. Ça ne va même pas tarder. On va te maudire à nouveau. Ne viens pas sur mon téléphone pleurer. Kourou, elle a encerclé. Bon, je vous laisse. C'est un petit coup de gueule matinal. Là, je me lève là. Maman, il va faire le ménage. Oh, nous, on a beaucoup souffrance. Ouais, ok. On a beaucoup souffrance. J'ai vendu bien. J'ai même mangé l'argent. Gorose, tu as vendu ta famille. Je ne te vends pas que tu me sers à quoi, Sandra. Sandra, t'as dit que franchement, si je vois là où on vend l'argent, tu seras même la première personne qui veut vendre. Wallahi, Bilay, Sandra, donc il faut m'éviter pour qu'elle ne te vende pas.
Parce qu'elle veut te vendre propre. Bonjour, Nandel Jendengue. Kocha Vandi. C'est à Vandi ta famille. Je vous vends bien. Tu as vendu ta famille. Et vous vendez que vous connaissez où? C'est ma famille. Ma famille, c'est mon mari et mes enfants. Tu entends bien avec quoi? Ne dis pas femme, aide les femmes. Elle là, si je vois où on vend les gens, vrai, vrai. On me propose même 10 millions et plein. Et te vends, Sandra. Voilà. Tu peux un peu travailler le con. Parce que toi, là, tu es comme le mauvais esprit. Tu as vendu ta famille. Je t'ai vendu. Je vais te vendre. Et te vendre aux femmes-là. C'est que... Je vais te vendre aux femmes-là, Sandra. Je te dis, continue à me chercher. Je te vendre. Tu vas travailler le con pour moi. Ouais, Sandra Rose. Sandra Rose est partie là où elle est partie là où on l'avait maudit. Maman, il faut voir Sandra comment elle envoie les cœurs là-bas. Non, Sandra, toi, tu m'as gagné. Pas ça. Sandra envoie les cœurs. Elle dit que c'est l'amour. Que c'est l'amour. Qu'elle aime ça. Ouais, Sandra chou. Ouais, Sandra, c'est voilà où on vend les gens. Hein. Hey. Moi, là, il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein. Si voilà où on vend les gens, Sandra, tu es la première personne qui veut vendre. Elle te vend. Tu travailles le con là-bas pour moi. Bonne journée là-bas, mes roses. Je vous reviens plus tard. M'avez fait mon ménage.